Bonjour à tous, voilà, merci de me retrouver sur Vinyle Cosmique. J'avais promis de nouvelles vidéos. Voilà, je tiens ma parole. J'ai retrouvé ici une dizaine de disques tout azimut. Donc, je vais vous présenter ça en deux vidéos, deux courtes vidéos. Je vais essayer de courtes. Alors, premier disque, voilà, que je vous ai montré. Enfin, non, j'en reparle, pardon, j'en reparle. J'avais montré ce truc la semaine passée. Alors, voilà, en disant, bon, j'ai une idée, voilà, c'est un bon album, très bon album, tout ça, nani, c'est quand même les musiciens, c'est vrai, des Small Faces qui jouent dedans. Je me dis, c'est quand même le meilleur, pour moi, le meilleur album rock de Johnny Hallyday. J'avais dit que Johnny Hallyday était peut-être un peu faiblard sous la voix. Là-dessus, je me suis fait insulter, va de laver les oreilles, connard, nani, nani. Ah, je dis, bon, voilà, j'ai fait écouter d'autres copains, je dis, oui, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Mais bon, effectivement, Johnny Hallyday, franchement, c'est pas qu'il est faiblard, il est presque, je vais dire, nul, hein, on va le dire, enfin, pas nul, mais on mis un Rod Stewart ou un Robert Plant à la place, on aurait quand même eu autre chose avec le musicien qui jouait avec. Voilà, bon, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est peut-être pour moi, mon sens, le meilleur album de Johnny Hallyday, mais ce n'est pas non plus un grand album de rock français. Il y a eu 50, 60 albums, à mon avis, de rock en France meilleurs que celui-là. Hein. Il faut quand même pas exagérer. Voilà. Et moi, j'ai parfois tendance à exagérer en me disant, voilà, nan, mais non, c'est un bon album de Johnny Hallyday. C'est vrai que même les Small Faces là-dedans ont fait des trucs mieux que sur cet album. Et un ami disquaire m'a dit, ouais, tu sais, ben, c'est lui qui m'en avait parlé, il m'a dit, bon, ben voilà, Johnny, voilà, il avait fait cet album, mais c'est quand même pas les musiciens qui vont rattraper l'artiste. Et bon, c'est vrai, force est de reconnaître que Johnny Hallyday, malgré ses grandes qualités, était quand même un peu perdu sur cet album. Ouais. Alors, j'ai trouvé celui-ci. Je vais aller un petit peu en progressif hein, dans les albums. Alors, les Rare Earth, voilà, je les avais. J'avais acheté ça dans le temps, il y a 35 ans, je ne sais pas combien d'années que j'avais trouvé. On les trouve encore, bien sûr, sur les brocantes, mais bon, trop populaire, et je l'avais, je m'en étais séparé. Ou alors il est quelque part dans mon grenier, en tout cas, ça tombe, j'ai en doublon. Hein, mais, voilà, je l'avais plus dans ma collection ici en bas. Et par contre, j'avais racheté Emma et des autres choses comme ça, des autres albums que je trouvais quand même très sympa. Et donc, si je l'ai retrouvé, c'est vrai que c'est un très très bon album, quand même, hein, malgré tout. Peut-être pas un grand album psyché, bien qu'on est en plein dans l'époque, hein, et des morceaux quand même, ce Get Ready qui fait 21 minutes 30. Ben oui, on est tout à fait dans cette veine-là de faire des albums où le DJ pouvait aller suivre un petit joint pendant que ça tournait. Hein, donc, c'était très bien, mais bon. Voilà quoi, c'est quand même pas. Enfin, c'est des super bons albums, avec des reprises ici, Tobacco Road, tout ça. Bon, voilà. Musicalement, les gars étaient quand même fortiches, bon musiciens. Voilà, rien acheté, je suis content de l'avoir retrouvé. C'était un pressage hollandais, bien sûr. Mais bon, le truc était pressé à 1 million, 2 millions d'exemplaires. Je vais pas faire le difficile, je vais pas. Très très bon, je suis bien content de l'avoir retrouvé. Super état. Ceci dit, bon voilà, on m'a filé 3 albums polonais. Je ne vais pas me lancer dans les noms parce que je parle relativement mal le polonais. Mais voilà, j'ai retrouvé, on m'a donné celui-ci. Alors ça, c'est un groupe, je vous laisse lire le nom vous-même. C'est un groupe qui s'est fondé, j'ai lu ici, en 1965. Et en 66, ils vont faire cet album. Alors, tout à fait dans une vague, dans un style rhythm and blues. À la Rolling Stone, voilà, 1965. On est tout à fait là-dedans. Les guitares ne sont pas mauvaises. Vous regardez ici, ils ont des guitares électriques. Très, très bon. Le seul truc, c'est bien sûr, bon, à part quelques titres en anglais, ils chantent en polonais. Hein, donc, ça peut gêner, bien sûr. Et ça gêne beaucoup, malheureusement, les amateurs, certains amateurs, de dire, bon, voilà, du rock polonais. C'est un peu spécial, mais la musique est quand même relativement est bonne, quoi. Voilà, on est dans un bon rythme blues, de bonnes reprises. Ouais, c'est du sous Rolling Stone, comme ça, mais bon,
J'ai vu pire, hein, j'ai connu pire hein, dans ce genre-là, très très bon. Un peu de. Les Hollandais aussi se sont lancés dans ce genre de rhythm and blues, tout ça, les Anglais. Il y a eu pas mal de choses dans le genre. C'est vraiment très très bon. On est dans les premiers tremblements, je vais dire, rock en Pologne, dans ce style. Et bon, ça tient quand même d'être souligné. On va donner 30€ pour ça, bien sûr, hein, mais sauf si vous êtes hyper fan de rock polonais. Mais voilà, c'est les albums. Si vous le voyez, ramassez-le, c'est très très bon. Alors, j'ai celui-ci. Là, ben voilà, on va remonter un petit peu dans le temps avec cet artiste. Quand vous voyez sa tête, vous dites, bon, c'est une sorte d'Alain Barrière ou quelque chose polonais. Bon, moi, je l'aurais laissé, mais c'est parce que bon, quelqu'un, un ami, me l'a ramassé. Et a pris la peine de l'écouter, et comme il trie sa collection, il me l'a filé, en sachant que moi je suis quand même sensible à cette musique polonaise. Et voilà, donc c'est le gars avec ici, c'est son band, hein. Et en fait, ben, c'est très très beau, c'est de la pop musique avec la guitare fuse, tout ça. Il faudra encore que j'écoute bien, mais c'est vraiment dans une première écoute, vraiment c'est très satisfaisant. C'est excellent de musique, actuellement encore en polonais, hein, toujours un petit recul vis-à-vis du polonais qu'on pourrait avoir, mais c'est tout à fait excellent, les compositions sont très bonnes. Le gars aurait fait ça en Belgique, en France ou en Angleterre, voilà, c'est des albums qui se valent complètement au niveau musicalement, et vraiment de bons petits trucs dedans. Bonne surprise en tout cas, certainement pas acheté non plus. Voilà, un très très bon. Là, je vais l'écouter plusieurs fois parce que c'est vraiment un truc, j'étais très surpris à l'écoute de cet album. Voilà, ici encore un album de N.I.E.C. Voilà, c'est le groupe ici, et ça c'est le nom de l'album. J'avais déjà un album de, c'est une formation progressive en fait, polonaise. Toujours les pochettes molles, hein, tous les disques que je viens de montrer polonais, c'est des pochettes complètement molles. Superbe disque, donc progressif. Alors là aussi, bien sûr, il faut prendre le temps de les écouter, c'est du progressif, ça ne s'écoute pas comme ça, pouf pouf. Non, c'est des albums qui sont sympas, bien travaillés, bien recherchés, bonne orchestration, des bons chants, de belles mélodies, voilà, tout est bon dans ces trucs-là. Vraiment, c'est un peu tardif, 1976, mais on est en pleine façon dans le progressif, avec un peu de fusion, funk, comme ça, j'ai écouté, c'est pas mauvais du tout. C'est dans les bons progressifs, cassé dans les bons progressifs, et voilà, c'est très très bon. Encore un double album ici, donc voilà, un truc qui vaut la peine d'être recherché. Voilà, je vais essayer de ne pas me mettre trop dans l'ombre. Voilà, parce que je me suis, excusez-moi, j'ai toujours pas refait mon matériel audiovisuel, et je le referai pas de toute façon, donc. Le son, l'image, bah oui, et puis la préparation aussi des vidéos. Je suis assez minimaliste et je ne vais pas trop en changer. Voilà, donc un album sympa. Voilà, rock polonais, bah, il y a de bonnes surprises. Alors, je vais vous montrer ça. Odessa des Bee Gees. Je ne sais pas pourquoi je vous le montre, je l'ai ressorti, je ne sais pas, j'avais foutu au grenier, je l'ai ressorti pour prendre en photo, pour mettre dans le groupe, mais bon, les Bee Gees, naturellement, ils ont commis du disco fin des années 70, hein, et ils nous ont tous bien fait chier avec ça, avec Saturday Night Fever, bon, voilà. Bon, alors, la pochette ici, c'est un double album, c'est sorti dans 1970. Je crois 79. Ouais, c'est pas mal du tout. Pochette velours. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est sorti en plusieurs trucs. Hein. C'est pas franchement. Je ne crois pas que ce soit la première édition. Ils en ont fait plusieurs. Mais super belle pochette. Album qui s'ouvre. Super bel album. Naturellement. Autant les deux albums un petit peu avant étaient un petit peu.
plus psychédéliques, donc ils ont été quand même dans cette voie. Hein. Ce sont des... Mais bon, ici, on en a, là, franchement, ils rentrent déjà dans la pop. Je crois que c'est... Et ça devient, bon, c'est vraiment les harmonies vocales qui sont fantastiques. Il n'y a pratiquement pas de guitare, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'harmonies vocales. Et bon, ça pèle assez vite, ça je dois dire que... Bon, pourtant, moi, les Bee Gees, je leur pardonne beaucoup, parce qu'en étant petit, j'avais un best-of des Bee Gees que j'arrêtais pas d'écouter, je le connaissais par cœur, c'est moi un disque à mon père. Et que je mettais, j'avais pas 36 disques, et ça, je le connaissais par cœur, donc je leur pardonne pas mal aux Bee Gees. Peut-être pas leur période disco, mais bon, donc ça marche encore, les jeux, ça marche encore. Allez, je vous montre un dernier et après je passe à l'autre série. Alors, Country Joe Fish, Country Joe McDonald, pardon, oui, leader des Country Joe and the Fish, voilà, c'est un album de 1979. Alors, Country Joe McDonald, c'est je crois déjà trois albums, c'est son troisième album que j'ai. Bon, naturellement, ce n'est plus, il n'est plus avec le Fish. Alors, voilà, malgré que ce soit le compositeur, tel compositeur du Fish, Country Joe a arrêté à un moment donné sa carrière, je crois, c'est après Woodstock, avant il s'est dit, je suis une vedette à moi tout seul, en fin de compte, et ça l'a fait un peu gamberger, dire, bon, ben voilà, et il est devenu un petit peu une vedette aux États-Unis. Alors, personnellement, j'aime tout petit peu dur avec sa musique parce que bon, c'est quand même, ça reste quand même fort américain, il n'a plus ses délires psychédéliques derrière, voilà. Alors c'est, je comprends les Américains qui ont continué à être fans du gars, tout ça, mais moi, bon, c'est un peu plus trop country, voilà, on arrête de rentrer vraiment dans ce psychédélisme, on n'est plus psychédélique et bon, force, bon, moi je lâche un petit peu. Il y a d'autres vedettes américaines qui me plaisent, même s'ils ont laissé aussi tomber ce psychédélisme après la formation de leur groupe, quand ils sont mis en solo, mais voilà, leur musique me touche plus. Tandis que Country Joe, bon, il y a quelques bons titres dessus, je ne dis pas. C'est de la bonne musique, honnête, tout ce qu'on veut, mais moi, forcément, non, j'ai un petit recul. Des albums qui me pèlent très vite, il n'y a pas de fond, j'arrive pas à rentrer dedans, voilà. Pourtant, il est réputé Country Joe McDonald, parce que c'est un des chanteurs. Pourtant, aux États-Unis, il est hyper populaire. Et chez nous, bon, d'ailleurs, ses albums n'ont eu aucun succès, je veux dire, de ce côté-ci de l'Atlantique. Peut-être trop américain. Voilà, je vous remercie. On se revoit tout de suite pour le deuxième volet. Ben, ou demain, parce que si voilà, vous avez du temps, regardez les vidéos. Ciao.